auf der 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Haïti Viral News app. Informez-vous de tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger. Quel que soit côté où il y a, nous entrons la caillou pour nous battre tout détail sur tout ce qui a fait actualité. Politique, culture, sport, c'est nous, Haïti Viral News, le média de toutes les informations. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Haïti Viral News app. Informez-vous de tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger. Quel que soit côté où il y a, nous entrons la caillou. Moi, c'est également rapport évaluation commissaire en ce qui a trait à leadership, efficience, efficacité, à capacité pour contrôler le travail subalterne chaque jour. Décision conseil supérieur police, en fait, pouvoir judiciaire prend pour lui alerter juridiction, chef juridiction avec responsable la cour d'appel yo, pour empêcher juge qui pas certifié yo prend siège ou bien exercer fonction qui gen awe ak statut yo, provoquer en pile réaction. Dans le journal là, après-midi, nous allons pour entendre réaction maître Samuel Madistin qui c'est président Fondation J'éclairé FJKL, li applaudi mémorandum secrétariat technique conseil supérieur pouvoir judiciaire prend pour alerter chef juridiction ak responsable la cour d'appel yo pour empêcher juge qui pas certifié yo prend siège ou bien exercer fonction qui gen awe avec statut yo. Maître Caleb Jean-Baptiste li di li bat bravo la contentement. Elle promet libéral bataille pour mémorandum secrétariat technique CSPJ Sotia qui mandé chef 18 juridiction responsable cour d'appel Port-au-Prince Okaï tribunal première instance Port-au-Prince Croix des Bouquets Okaï Okap Gonaïve ak Fort Liberté ak Jacmel pour prendre disposition pour juge qui pas certifié yo pas prendre siège pour avis à appliquer comme ça doit. Gemet Anel Rémy, qui est avocat dans Barreau Port-au-Prince, bon côté parle, les questionner décision qui soutient dans avis CSPJA qui mettait dans campé loin une trentaine juges dans cadre processus certification. Dans une interview li bay radio Kiskeya journée vendredi, Gemet Anel Rémy dit pas gain aucune décision judiciaire qui prend dans cadre dossier ça qui limité à qui un simple mezi administratif. Fondation Droits Humains Sans Frontières DHSF li dénoncé illégalité sanction pays Canada prend contre personnalité haïtien li dit qui supporte gang dans pays d'Haïti. Dans une conférence pour la presse qui fait vendredi à sur internet, yon avocat Droits Humains Sans Frontières là maître André et Grimblatt dit c'est pas Canada mais c'est Royaume-Uni qui t'a dû prendre sanction ça yo. Li dit tout Ottawa utilisé loi Ottawa utilisé pour sanctionner haïtien yo parmi yo deux anciens premiers ministres Jean Rissien et Laurent Lamotte vini après ça yo reproché yo et puis li dit pa gen aucun tribunal qui t'ait condamné yo n'a pas gen pour entendre dans journal après-midi. Comité Carnaval Port-au-Prince l'a rencontré la presse matin vendredi pour remercier et travailler la presse artistes à toute population Port-au-Prince là qui était participé d'après ça on dit dans carnaval 2023 mairie a été organisé Jean gouvernement de facto a demandé pour chaque commune dans pays a on va pour entendre dans journal ça déclaration agent intérimaire exécutif là dans mairie Port-au-Prince Luxon Janvier avec président comité carnaval là Yves Penel qui tous les deux dit yo satisfait. C'est journée vendredi 24 février à installation nouveau conseil administration Académie Créole Haïtienne AKA qui était sorti dans élection 28 janvier passé à nouveau conseil ça a gagné un mandat de l'année n'a pas rappelé c'est Roger Dadorcé Dorsil qui président Académie Créole Haïtienne. Fondation Loquet pour une nouvelle Haïti Foluna organisé yon cérémonie hommage vendredi 24 février dans l'université Kiskeya dans l'idée pour honorer 10 personnalités et institutions qui a évolué dans plusieurs domaines dans société ya n'a pas pour entendre dans journal ça responsable Fonola Joël Loquet
et n'a pas de tout et responsable Dash Lam, docteur Ronald Laroche Victor, qui pas caché contentement pour plaque donner ça, les recevoir et le promettre, la continuer faire travailler. Donc c'est plusieurs personnalités disent comme ça à organisation qui a milité dans plusieurs domaines dans société a qui recevoir plaque donner ça fondation l'orchestre pour une nouvelle Haïti. Nan actualité à l'autre bord de l'eau, on connaît actualité internationale là, li ap dominé par premier anniversaire bataille la Russie tamé contre l'Ukraine, ça que Vladimir Poutine rele yon opération spéciale, yon bataille qui rentré nan première année, deuxième année, donc ça fait yon l'année depuis la guerre là, li démarré c'était 24 février année passée, jeudi à fin et yon l'année jour pour jour, date pour date, n'a pas quelques chiffres qui gagne à ouais quelques dates tout qui marqué conflit ça entre la Russie et l'Ukraine. Moscou insistait sur nécessité pour ta reconnaître territoire li annexé territoire ukrainien, li dit c'est pour li yoyé, li insistait sur ça. Gagne pays membre G7 qui menaçait pays qui a aidé la Russie pour chapper à sanctions internationales. Il y a plusieurs villes dans pays la France qui gagne manifestation pour soutenir Ukraine avec peuple ukrainien. Et puis on a parlé tout de Canada côté gagnon enquête sous contrat entre McKinsey et gouvernement Justin Trudeau a dirigé. Organisation terroriste qui est l'État islamique qui revendiqué yon attaque vendredi à qui côté environ 150 monde qui mouri semaine passée jeudi vendredi à organisation État islamique li dit c'est lui qui t'a fait attaque ça dans pays Burkina Faso côté pour pipiti 51 soldats t'ai perdu la vie et puis pour pipiti gagné 13 civils maliens qui mouri hier jeudi à dans une attaque le dit c'est djihadiste qui fait le compte villageo dans centre pays a point ça yo avec plaisir l'autre pour faire essentiel journal là après-midi n'a prend pause n'a tourner. Journal 4A, c'est